cette nouvelle vidéo. C'est dans la voiture que je vous retrouve pour commencer cette nouvelle vidéo. Devinez d'où je reviens, de chez le vétérinaire. Mais bon, rien de dramatique. Maki, stop. Maki est dans la voiture, mais ce n'était pas pour Maki. C'est juste qu'elle a voulu nous accompagner, donc pourquoi pas. Comme ça, je la renferme pas toute seule à la maison. Elle qui est habituée à être tout le temps avec Julius, voilà. Donc elle nous a accompagnés, mais c'était pour Julius parce que il y a quelques jours, Julius a refait un petit peu d'urine avec du sang. Et du coup, déjà la dernière fois, on avait annulé le rendez-vous puisque entre le moment où j'ai appelé et le moment du rendez-vous, ça allait mieux. Mais là, du coup, j'ai appelé la semaine dernière, elle m'a dit d'attendre lundi. Donc dans le week-end ça allait mieux, mais je suis quand même allée au rendez-vous parce que voilà, ça fait deux fois de suite qu'il nous fait le même cycle, c'est-à-dire qu'il fait des petits pipis avec un petit peu de sang et puis finalement ça s'arrange tout seul. Donc je sais pas, on avait dit la dernière fois avec la vétérinaire qu'on ferait une analyse d'urine, mais en cherchant la bactérie, puisqu'à chaque fois elle regarde, ils font d'abord une analyse au cabinet, et si il y a des questions plus poussées ou si on cherche une bactérie, là dans ce cas là ça part dans un labo. Et donc la dernière fois on s'était dit qu'on ferait ça, donc c'est ce qu'on a fait. J'avais pas trop envie d'y aller parce que j'aime pas ça aller chez le veto, et puis en plus l'analyse d'urine en question, pour que ce soit envoyé au laboratoire pour chercher la bactérie, il faut que ce soit stérile. Et donc c'est pas juste on récolte des urines dans un petit pot, c'est on sonde Julius par l'urètre pour aller chercher les urines. Donc voilà, ça m'angoissait un peu cette étape là. Elle nous avait aussi dit qu'on en profiterait pour faire hop, on sent que ça vibre, qu'on en profiterait pour faire une échographie pour vérifier encore une fois s'il n'y a pas une masse, quelque chose qui du coup ferait qu'il y a des problèmes. Voilà, bon, quand on va chez le veto, on en ressort avec un bras en moins parce qu'à chaque fois ça nous coûte évidemment. Merci papy. Et donc là, comme on est à plus 6 mois après la découverte là, le diagnostic de sa tumeur, on doit faire un scanner de contrôle. Donc on scanne tout son corps, on regarde tout. Et du coup, je me suis dit, je vais lui demander de ne pas faire l'échographie, ça va me coûter moins. Et on verra ça au scanner. Et en fait, je suis arrivée, ils avaient déjà tout préparé la pièce pour faire l'échographie. C'est le premier truc qu'elle a fait, donc en fait, j'ai pas réussi à lui dire. Ça m'énerve de pas réussir à dire les choses. Donc du coup, on a fait l'échographie, donc ça m'a coûté un bras. Et ça va me recoûter un rein, là, je pense, quand on va aller faire le scanner. C'est chiant, mais bon, après, je me suis dit, bon, on regrette pas, de toute façon, de pousser les examens. C'est juste que, voilà, ça, des fois, si on peut minimiser un petit peu les frais, c'est mieux. Donc voilà, on ressort de chez le veto, elle a rien vu de spécial, elle a dit il y a un petit kyste derrière la prostate, mais à 11 ans c'est quelque chose, c'est des choses qui sont plutôt répandues, banales, donc on verra mieux au scanner. J'espère que voilà, j'espère que c'est rien ce petit truc. Et donc elle m'a fait une ordonnance pour pouvoir passer le scanner, parce que c'est dans une autre clinique bien spécialisée, dans une plus grande ville, voilà, il faut y aller avec l'ordonnance de son vétérinaire, on peut pas y aller comme ça, enfin, voilà voilà. Donc en sortant de chez le vétérinaire, je suis allée chez Intermarché parce que je devais faire 2-3 petites courses d'appoint qui nous manquaient. Quand je dis 2-3, c'est vraiment deux courses. Il nous manquait des pizzas pour nos soirées Koh-Lanta, très important, et il nous manquait du beurre demi-sel pour les petits déj de mon chéri. Donc je suis allée chez Intermarché. Et cette semaine, enfin ce week-end, enfin le lundi prochain je crois, le 22 avril, c'est l'anniversaire de ma maman. Moi je suis du 21, d'ailleurs je me suis dit que je crois que cette vidéo, si elle sort dimanche, je crois que dimanche c'est le 21, c'est mon anniversaire. Donc moi je suis du 21, ma maman du 22. Et j'avais bien sûr pensé que c'était mon anniversaire, que j'allais les inviter à manger et tout, mes parents, ma famille et tout. Mais j'avais pas réalisé que c'était aussi l'anniversaire de ma mère. Donc du coup, hier quand je les ai appelés pour dire « vous voulez venir manger à la maison ?», elle m'a dit « oh bah oui, mais moi je voulais vous inviter pour mon anniversaire ». En fait, on a toutes les deux pensé à nos anniversaires respectifs, mais... Et donc je me suis dit « ah mais oui, c'est vrai, il faut peut-être que je lui trouve un petit cadeau, non ?». Donc du coup, je me suis dit je vais en profiter d'aller à Intermarché pour regarder si jamais je trouve pas un petit truc quoi. Et au final, j'ai trouvé un petit truc, mais en fait, une petite veste matelassée beige, mais d'un super joli beige, je vous montrerai à la maison.
à 17 euros. Au début, je me suis dit, ah, oh, ça peut être sympa. Et puis après, je me suis dit, ah, oh, mais elle est vraiment sympa. Est-ce que je la garderai pas pour moi? Il y en avait qu'une. 17 euros, c'est vachement correct, je trouve, pour un manteau. Bref, je l'ai essayé, j'ai fait tous les miroirs possibles qu'il y avait dans le rayon vêtements. C'est la première fois que j'achète des vêtements chez Intermarché. Et donc j'ai craqué, je l'ai prise. Mais je crois que j'ai vraiment un problème avec les vêtements. Parce que, en fait, il faut que je fuis les rayons, il faut pas que je regarde. J'adore les fringues, c'est incroyable, quoi. Alors que là, en ce moment, je suis plus dans un état d'esprit où je me dis, il faut que je me débarrasse de plein de trucs, que je garde mes basiques, mais que j'arrête d'avoir plein de trucs que en plus je porte pas spécialement. Je suis plus dans un état d'esprit où je veux épurer mon dressing, et finalement, dès que je regarde un rayon de fringues, bah je craque. Donc bref, tout ça pour vous dire que je me suis acheté une veste et j'ai pas trouvé de cadeau pour ma mère. Donc je sais pas, je vais réfléchir. En même temps, je me dis parce que je l'ai jamais fait encore, j'aurais pu lui créer quelque chose en mohair. Alors les bandeaux, c'est ce que je sais le mieux faire, on va dire, pour l'instant. Avec les étoiles. Mais si, parce que les bandeaux, ça va pas l'intéresser. Je lui ai déjà offert des bandeaux, pas en mohair, mais elle aime pas ça. Mais par contre, une étole, ça pourrait être bien. Et en plus, j'y arrive bien aussi. Donc peut-être une étole. Mais en tout cas, il faut que je la réalise dans la semaine, quoi. Donc faut pas que je traîne, parce que ça prend quand même du temps. Donc voilà, peut-être quelque chose en mohair. C'est la facilité, parce que j'ai le matériel à la maison. Mais par contre, ça demande du temps. Et puis de l'application, quoi. Parce que c'est pas un truc qui se fait en deux-deux, hein. Ça prend du temps. Donc voilà pour l'anniversaire de ma maman. Sinon, au programme cette semaine, eh bien, je vais essayer de vous faire une petite vidéo où je vous donne surtout des nouvelles de tous les animaux et où je vous présente surtout tous les petits babies. Parce que dans la vidéo précédente, je vous ai partagé la naissance de Verlaine, donc le premier bébé de 2024, mais a suivi deux naissances, enfin deux Miss Ba. Une Dolga qui... alors. Celle d'Olga, elle était un peu teintée de tristesse en même temps. À chaque fois, c'est une immense joie quand il y a une naissance. Je vous ai même dit la dernière fois que c'était vraiment la plus belle des émotions que je pouvais éprouver, tout court. Hein. J'allais dire avec mes chèvres à la maison, mais en fait non. C'est vraiment, c'est un truc de fou d'accompagner une gestation, de voir mes chèvres qui me font confiance, qui viennent me voir. Je sais pas, j'ai l'impression que je les rassure, elles viennent vachement au contact quand elles sont gestantes, elles demandent vraiment des câlins, des moments doux et calmes et tout. Enfin, je trouve ça dingue, quoi, parce que c'est quand même des animaux et on pourrait avoir tendance à penser qu'elles ont envie de leur autonomie, de leur tranquillité et tout. Et mes chèvres Angora, elles sont... alors pas toutes. Origami, par exemple, elle ne voulait pas du tout. Alors que pourtant, elle, d'habitude, quand elle est dehors et tout, elle vient tout le temps, c'est un petit chien, quoi, elle nous suit et tout. Elle est très souvent collée à nous, mais là, quand elle était gestante, elle refusait tout contact. Elle voulait pas du tout, enfin tout contact, j'abuse, mais elle cherchait pas du tout les câlins. Alors que Olga, mais Olga, c'est impressionnant, quoi. Olga et Olympe, le soir, tous les soirs, elle venait nous voir pour réclamer des câlins. Et c'est vraiment un moment où elle se pose la tête sur nous, et du coup, on sentait les bébés bouger et tout. Enfin, c'était magique, quoi, comme moment. J'essaye de vous partager un maximum, soit sur YouTube, mais beaucoup sur Instagram, ces petits moments-là capturés avec mon téléphone. Mais c'est rien par rapport à ce que c'est de les vivre, en fait. J'aimerais hein, que ça ressorte à travers les écrans, mais en vrai, il faut le vivre pour se rendre compte à quel point c'est magique de sentir les bébés bouger sous ses mains, de voir les mamans nous regarder et nous faire confiance. Et y a vraiment un partage, enfin, c'est fou. Bref, tout ça pour dire que d'accompagner pendant la gestation, c'est dingue. D'accompagner quand on a la chance d'être là pendant la mise bas, c'est fou. Alors, on fait rien. Hein. Pendant la mise bas, il n'y a pas besoin d'intervenir. Juste de surveiller. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que quand le bébé sort tout de suite avec une serviette, je lui dégage les voies, enfin, le nez, en fait, le museau, la bouche et tout pour qu'il puisse respirer. À part si la maman, tout de suite, elle va lui lécher les trous de nez et tout, mais... souvent, il y a quelques secondes où moi, ça me rassure de faire ça. Et mon chéri, à chaque fois, me dit, enfin, à chaque fois, non, mais la dernière fois avec Verlaine, il m'a dit, je me pose toujours la question de savoir si c'est bien d'intervenir ou s'il faudrait laisser faire la maman. Mais à chaque fois, ça se passe très bien et voilà. Donc, c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait ça. Quand j'ai la chance d'être là. Après, Olga, elle avait mis au monde Tricotte il y a 2 ans. On n'était pas là. Bon, bah voilà, ça s'est très bien passé. Et là, Olga, donc on était là. Donc, parce qu'à chaque fois, c'est pareil. Je me suis dit, on a posé quand même 15 jours de vacances pour être là pendant les mises bas. Et finalement, il n'y a que Origami qui a mis bas.
et les deux autres, on avait rembauché. Et donc Olga, quand son travail a commencé, c'était quand? C'était le week-end dernier? Ah non, la fin de nos vacances. C'était à la fin de nos vacances. On a vu, il était midi, on a vu que le travail commençait, elle s'est isolée. Alors elle s'est mise, alors c'est la première fois qu'une chèvre décide de se mettre dehors pour mettre bas. Après il faisait beau, par contre il y avait beaucoup de vent. Et du coup elle s'est mise contre la volière et on voyait les deux petites pattes sortir. Mais ça a duré pas mal longtemps. Après c'est pareil, je sais jamais s'il y a un temps, enfin d'une femelle à l'autre c'est comme les femmes, hein, ça peut durer des heures. Mais enfin généralement les animaux c'est pas des heures. Hein. C'est quand même assez rapide, mais ça peut durer quelques secondes ou plusieurs dizaines de minutes, quoi. Et donc là, on a observé Olga, je sais pas, une bonne 20 minutes. On voyait les deux pattes sortir, mais pas plus que ça. Et je pense que je vous mettrai les petites images en même temps que je vous parle. Et du coup, on a observé pendant 20 minutes. Et puis après, Olga, elle semblait vouloir aller un petit peu plus dans le champ. Du coup, on s'est dit, bon, bah, peut-être qu'on la dérange à l'observer, donc on va la laisser tranquille. Donc, on s'est absenté un quart d'heure, mais vraiment un quart d'heure. Le temps d'aller manger vite fait. Après, moi, de toute façon, j'avais pas faim et j'avais trop envie de voir comment ça avançait. Donc, du coup, au bout de 15 minutes, on est retourné la voir. Elle avait bel et bien bougé de place. Elle était plus dans le champ, au pied d'un arbre. Quand on est arrivé dans la basse-cour, donc au loin, on l'a vu. J'ai vu un bébé tomber d'elle. Qui est sorti d'elle, quoi. Je dis à Colin, mais c'est dingue, on arrive pile au moment où il sort. Donc on s'est tout de suite il s'est mis debout, il a essayé de téter et tout, le temps qu'on arrive jusqu'à elle. Et arrivé jusqu'à elle, au pied de l'arbre, en fait, il y avait un premier bébé qui était sorti pendant notre absence et qui lui était sans vie. Et bon bah tout de suite j'ai essayé de lui nettoyer le visage, de voir si en plus il y avait du vent, c'était la panique un peu. Olga, elle s'occupait de son bébé. Attention, elle s'occupait de son bébé et qui était vivant, bien sûr. Et bah ouais, j'ai essayé de lui dégager les voies respiratoires. Je l'ai mis la tête vers le bas pour voir s'il avait envie de tousser, si ça lui dégageait un petit peu les bronches et tout. Et en fait, il était mort, quoi. Mais j'ai quand même essayé, même de le frictionner et tout, parce que je sais que des fois les bébés ça repart quand on les stimule comme ça. Mais en fait non, il respirait pas. Mais après c'était pas facile à voir. On a toujours peur en plus dans ces moments-là de se dire il est mort alors qu'il l'est pas encore et que du coup il y a encore tout à jouer, quoi. Donc c'est vraiment quelques secondes, hein, mais ça paraît très long déjà et voilà. Donc bref, j'ai bien compris au bout de quelques secondes qu'il était mort. Mon chéri m'a dit laisse, on va s'occuper d'Olga et de son petit qui est vivant, parce que du coup ils étaient en plein vent et lui trempé. Avec le vent, il peut vite avoir froid et un bébé, ça tombe vite en hypothermie après. Enfin, donc du coup, j'ai quand même isolé le bébé mort. Et puis, Olga, elle le calculait pas du tout. Hein, donc je pense qu'elle avait compris que ça servait à rien. Et on les a rentrés en nurserie, on les a mis sous une lampe chauffante. Je sais même pas si j'ai essayé de sécher la petite. Donc c'est une petite violette, elle s'appelle. J'ai décidé de l'appeler Violette parce que c'est un prénom que j'aimais bien et je me suis dit c'est le premier bébé qui est né dans un champ, donc on va l'appeler Violette. Et ouais, je sais même plus si j'ai essayé de l'essuyer ou pas parce que sa maman s'en est super bien occupée. Et donc voilà, donc ça tient compagnie à Origami et puis Verlaine qui sont dans la nurserie, mais Olga reste isolée dans un petit box au début parce que au début je les mets toujours dans des petits box pour être sûre que le bébé puisse trouver sa maman facilement pour téter. Donc voilà, et puis le lendemain, nous sommes allés travailler puisqu'on reprenait le boulot. Et qu'est-ce qui s'est pas passé en rentrant du boulot le soir, bah, juste à ce moment-là, vous voyez, quand j'arrive chez moi, au bord de la route, on longe une grande route et au milieu du champ, mais c'était vraiment, mais cette image restera gravée dans ma tête à tout jamais parce que c'était magnifique. Au milieu du champ, il y avait Olympe, donc c'était la dernière à devoir mettre bas, Olympe avec au moins deux bébés sous elle, déjà debout. Je dis à Colin, arrête ta voiture, je vais avec mon Google Pixel 7 Pro, je vais filmer, je vais zoomer et tout. Et donc, on voyait bien deux bébés debout et une petite masse derrière, on voyait pas très bien si c'était la patte de Olympe ou si c'était un autre bébé. Donc, on a fait le tour de chez nous, on s'est garé, on a sorti les chiens et on est allé dans le champ.
Et en s'approchant, on a vu qu'il y avait trois jolis bébés, tous en très bon état, vivants, voilà. Attends, Maki. Maki, Maki, Maki. Bon, je vais continuer mon histoire plus tard, hein. Bon, ça y est, je suis rentrée à la maison. Je viens de ranger les pizzas au congèle. Et puis, avant d'aller voir mes petits chevreaux et de vous les présenter, je finis mon histoire. Donc, je vous disais qu'on est arrivé dans le champ. On a vu trois petits bébés tout blancs, tout propres, tout... Enfin, tout blanc. Non, le petit mâle avait, avait le visage avec pas mal de sang. On s'est dit, j'espère qu'elle a pas perdu trop de sang. C'était incroyable. Déjà, on n'était pas sûr qu'elle ait des jumeaux, mais alors des triplés, on s'y attendait pas du tout. Et tout le monde était debout, la maman, les petits, tout le monde au taquet. Enfin, c'était incroyable. Je me fais une infusion menthe du jardin séchée et pissenlit, fleur de pissenlit, pareil, du jardin séché d'il y a 2 ans. Et d'ailleurs, voilà l'état de mon bocal. Donc, il faut que je m'en refasse. Là, on est au printemps. Il faut que je fasse une petite récolte de plein de plantes qu'il y a dans la nature pour faire mes infus parce que je commence à plus avoir grand chose. Donc pour finir, ouais, trois jolis bébés, la maman en forme, ils commençaient à, enfin la nuit allait pas tarder, ça commençait à se rafraîchir, donc on les a rentrés en nurserie aussi, et franchement tout va bien, c'est trop cool. Bon après on m'a dit que souvent les femelles qui faisaient trois petits, alors les angoras ça fait souvent des jumeaux apparemment, moi j'en avais encore jamais eu à part justement Olga la veille, mais je vais peut-être me pousser de la bouilloire qui fait du bruit. Donc je vous disais, des jumeaux apparemment il y en a, mais des triplés pas spécialement. Et surtout on m'a dit que les femelles qui faisaient des triplés, généralement elles n'avaient pas assez de lait pour allaiter tout le monde et qu'il faudra sûrement la complémenter. Donc je vous avoue que ça m'a fait un peu suer parce que en fait j'aime quand ça se passe naturellement et qu'on intervient le moins possible. Mais après voilà, il faut surveiller, ça c'est sûr. De toute façon je m'étais fait la réflexion déjà de base hein, mais voilà, les autres éleveuses ont confirmé que souvent il fallait complémenter avec des biberons, donc on s'est dit qu'on allait surveiller. À côté de ça, on avait Olga qui du coup au lieu d'avoir 2 bébés n'en avait plus qu'un, et elle avait une mamelle qui était très gonflée. En fait la petite Violette ne la tétait pas souvent, c'est un peu comme ce qui s'était passé avec Barnabé et Ursula l'année dernière. Donc les 2 ou 3 premiers soirs, on a trait Olga et on a proposé le lait aux petits triplés. Ils n'en ont pas voulu parce qu'en fait, pour l'instant, la maman Olympe avait assez de lait, donc ils n'ont pas spécialement faim. On a essayé au tout début de mettre, parce que dans les triplés, il y a un mâle qui s'appelle Velours et 2 femelles, Vanille et Vanina. Vanina, c'est la plus petite et du coup, c'est celle qu'on surveille le plus. On les surveille tous, mais voilà, il faut qu'elles prennent un peu plus. Malgré que pour des triplés, ils font tous des très bons poids, puisque Vanille et Velours faisaient à la naissance 3 kg et la petite Vanina 2 kg 200. Mais c'est plus que correct pour des triplés, il me semble, hein, parce que de ce qu'on a vu sur internet, on dit apparemment que 1,800 pour des jumeaux, c'est bien. Donc là, 3,3 et 2,2, c'est vraiment très bien, je pense. Mon eau est chaude, hop hop hop, avant que ça boue de trop. Donc c'est plutôt chouette pour les poids. Après voilà, il faut surveiller chaque jour, donc on les pèse tous les soirs. C'est le petit rituel en ce moment. Et donc on avait essayé donc de mettre Vanina à la mamelle d'Olga pour voir si, en fait on s'est dit l'un dans l'autre ça va arranger tout le monde quoi. Vanina elle va boire et Olga ça va lui désengorger la mamelle qui est un petit peu trop gonflée. Et finalement Olga n'aime pas du tout déjà que ce soit un autre bébé que le sien qui tète. Donc bon, ça à la limite ça peut s'arranger en l'occupant quand on est 2, voilà, il y en a un qui lui gratouille la tête pendant que l'autre met la petite Vanina à la mamelle, ça peut se faire. Sauf que Vanina, elle avait pas du tout faim, et donc elle n'avait rien à secouer de la mamelle d'Olga. Donc je vous disais, on a trait quand même la mamelle pour la désengorger, on a proposé le lait aux petits, et finalement ils en voulaient pas, donc ils en ont bu quelques gouttes chacun, parce que j'ai essayé pour tous, mais voilà. On a fait ça 3 soirs de suite. Le 3e soir, tout le monde avait pris du poids chaque jour, sauf le 3e soir où Vanina n'avait pas pris. Elle avait pas perdu, mais elle avait pas pris. Je vous avoue que je me suis dit, oh là là, ça y est, ça commence à aller mal. Bon, après, ils sont tous au taquet niveau comportement et tout, tout va bien, donc c'est cool. Et finalement, le jour 4, Vanina a pris 200 grammes, donc c'est bon. J'ai de toute façon en stock du lait de Barnabé de l'année dernière, puisqu'elle avait une mamelle qu'il fallait désengorger.
et je l'avais congelé ce lait par petits glaçons, enfin vous savez, dans des petits pots en silicone. Et du coup c'est bien parce que je peux décongeler, alors faut que je m'y prenne à l'avance par contre, parce que je le fais décongeler 12 heures à l'avance dans le frigo tout doucement, pour que ça conserve bien tous les nutriments du lait, tous les bienfaits et tout. Et du coup, parce que là la mamelle d'Olga va mieux, donc je pense qu'on va arrêter de la traire, ça sert à rien de l'embêter pour ça. Et du coup, on va quand même tous les soirs proposer du lait de Barnabé aux petits. Voilà, ça fait un petit plus. Le jour où Vanina n'a pas pris de poids, c'est aussi un jour où j'avais sorti plus souvent que les autres jours les mamans. Parce que je me dis qu'il faut qu'elle broute pour produire du lait. Malgré qu'en nurserie, elles ont du foin. Mais je me dis, l'herbe verte, en plus là, c'est l'herbe du printemps. Enfin, puis naturellement, elles sont censées justement pouvoir manger tout ce qu'il y a dans la nature au printemps pour s'occuper de leurs petits. C'est pour ça qu'elles mettent bas au printemps d'ailleurs. Donc du coup voilà, je les avais sortis mais peut-être un peu trop dans la journée, et finalement bah, le temps qu'elles broutent, elles donnent pas la tétée quoi. Donc là je les sors un peu moins, je les sors 2 heures par jour, c'est tout, contre peut-être 4 heures le jour où elle avait pas pris la Vanina. Et du coup ça va mieux. Voilà, on a des petites histoires de constipation. Je vous raconte vraiment dans les détails. On a des petites histoires de constipation pour Vanille, non, pour Vanina aussi, et Velours, le mâle. Mais je pense que ça va passer. Là, on essaye de les aider un petit peu en mettant de l'eau chaude et des choses comme ça. Mais je me fais pas trop de soucis, même s'il faut bien surveiller. Voilà pour les petites nouvelles. Je me fais mon infus et puis après, je vais vous les montrer en nurserie. On va aller les voir. Bon alors, je vous ai posé sur le rebord de la fenêtre. Je vais vous montrer ma jolie veste. Je vais enlever mon gros gilet parce que je pense que c'est un peu épais en dessous. Et puis en plus, il est long. Avec la veste qui est un peu plus courte, ça va pas le faire. Elle est trop belle et surtout, elle est trop agréable. Vous savez, la matière toute moelleuse à l'intérieur, c'est polaire. C'est polaire à l'intérieur et c'est matelassé étanche à l'extérieur. Hop. Regardez-moi ça un petit peu, ce petit look là. Trop contente. Le beige, je sais pas s'il ressort bien à la caméra, mais je le trouve très joli. C'est un beige lumineux en fait, un blanc cassé lumineux. Voilà. Les boutons sont tout simples aussi en beige mat. Ah, je suis trop contente. Voilà. Une petite veste de demi-saison là, printanière. Trop contente. Donc pour faire les petites présentations, celle de gauche, c'est Violette, la fille d'Olga. Celui de droite, c'est Petit Velours. Coucou Petit Baby. Oh oui, qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce que c'est? Et puis ici, nous avons Vanina à droite et Vanille à gauche. Vanina, c'est la plus petite. Coucou les babies. Oh, ça se réveille tout doucement. Ils ont vraiment leur quart d'heure où ils jouent dans tous les sens. Mais là, j'arrive en cours de sieste. Et ça se réveille très vite, un petit chevreau. Bonjour Vanille. Comment ça va? Tu faisais un gros dodo? Tu faisais un gros dodo? Oui, oui. Ils sont pas du tout farouches. Hein. Comme on passe beaucoup de temps avec eux, finalement, eh bien, ça les habitue à notre présence. Ils sont trop mignons. Puis comme on les pèse tous les soirs, forcément, on les manipule pas mal. Ça va, Vanina? Bon, oui. Bon alors. On dirait une petite malheureuse, mais c'est pas du tout la dernière à jouer d'habitude. Coucou. Coucou. Dis donc, qu'est-ce que c'est ce truc? De temps en temps, je leur donne accès à dehors avec les mamans sous surveillance. Mais là, il y a du vent et puis mon chéri va pas tarder à rentrer du boulot. Et on va aller faire notre sport, donc je vais pas pouvoir surveiller. Mais quand il fait beau et que j'ai le temps, je les mets tous dehors, enfin j'ouvre tout en fait, et puis je surveille. Je surveille mes petites biquettes, je fais un petit peu de méditation dans le champ. Ça fait du bien. Petit moment relaxation avec les chevreaux. Alors Vanina, tu te réveilles pas toi ce soir-là? Alors, c'est encore la grosse sieste? Ça va ma chérie?
Coucou. Bon, comme nous sommes lundi, j'ai décidé d'aller courir. Il commençait un petit peu à pleuvoir. Je suis totalement en contre-jour. Je me suis changée déjà. Il commençait un petit peu à pleuvoir et je me suis dit tant pis, j'y vais, ça va être que quelques gouttes. Et j'ai bien fait puisque c'est déjà passé et maintenant il y a un beau ciel bleu au-dessus de moi. Je m'écoute un petit podcast. Malheureusement, et tant mieux, mais j'ai terminé d'écouter tous les podcasts de Isadora et Marisa. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur le chemin du bien-être. Ces deux personnes qui m'ont fait énormément de bien, qui continuent à me faire énormément de bien, mais plus en podcast puisqu'elles ont arrêté malheureusement. Mais elles partagent des petites vidéos sur YouTube, des petites vidéos. Donc là, je suis tombée sur quelqu'un d'autre, je sais même pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, j'avais envie d'écouter, donc j'ai ma petite JBL. J'avais envie d'écouter des podcasts sur le lâcher prise. Je crois que c'est là-dessus que je vais travailler ces prochains jours, ces prochains mois, puisque je sens que j'en ai besoin, tout simplement. Je suis quelqu'un qui est pas mal angoissée, pas mal stressée, pas mal nerveuse. C'est pas forcément ce que je partage par ici, évidemment, mais ça fait partie de moi. Et j'ai plus envie de ça. Donc, ça va déjà beaucoup mieux. Mais c'est vrai que le lâcher prise, c'est une notion qui me dépasse un peu. Je vois pas trop d'ailleurs ce que ça veut dire, à part s'en foutre, mais du coup, voilà, une fois que c'est dit, je vois pas comment on fait. Donc voilà, j'avais envie d'écouter un petit podcast sur le lâcher prise. Là, je vous ai pris en vidéo sur la petite partie que je fais à pied, enfin en marchant, je veux dire. Et là, je vais recommencer à courir sur le chemin de terre. Allez, c'est parti. Nous sommes vendredi soir, je vais clôturer cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On est au deuxième jour où les petits chevreaux ont accès à dehors. Du coup hier, je vous aurais mis des petites images je pense, ils n'ont pas franchi la barrière des quelques pavés qu'il y a devant la porte, devant la chèvrerie. Et ce soir par contre, ils ont plus pris leurs aises. Je surveille un petit peu hein, parce que là il y a petite Vanina qui est au milieu de toutes les mamans. Ça va, Vanina ? Et du coup, oui, y en a de partout. Donc, faut bien surveiller. Je me suis fait mon petit thé. Je viens de me manger même deux crêpes en rentrant du travail. Je me suis fait mon petit thé, là. Et le soir, en ce moment, le rituel, c'est que je sors du coup les chèvres et je reste à surveiller. Et j'en profite pour m'écouter une petite session de méditation ou de relaxation ou un petit truc comme ça. C'est vraiment un moment très agréable et j'aime bien faire ça. Et en plus, ça permet de vraiment relâcher toute la pression d'une journée de travail ou ce genre de choses, vous voyez. Voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo en ma compagnie vous aura plu. Je viens de me mettre du baume à lèvres parce que j'ai la peau archi sèche. Je sais pas si c'est la saison printanière, mais et du coup, j'ai mal aux lèvres. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit pouce en hauteur, en haut, pour me le témoigner. Je vous laisse aussi me mettre un petit message. En ce moment, j'ai de plus en plus de commentaires sous mes vidéos et ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps de me laisser des petits mots. Je réponds à chaque fois. Alors des fois, je mets du temps, mais je réponds à chaque fois parce que c'est important pour moi de répondre aux personnes qui m'écrivent et surtout... C'est le but en fait, c'est d'échanger, donc voilà, moi je vous partage beaucoup, donc ça me fait vraiment plaisir d'avoir quelque chose en retour, voilà. Bon, eh bien, j'espère que vous passez un très bon week-end si vous regardez cette vidéo le dimanche. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse, et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.